Onimusha 3 devait être le dernier de la série, mais voici qu'arrive Shin Onimusha Dawn of Dreams. Il ne faut jamais croire ce que disent les développeurs. En tout cas, la série change complètement de ton. L'ambiance horrifique du début, déjà très atténuée dans les épisodes 2 et 3, disparaît presque complètement. Ensuite, le côté aventure du jeu passe au second plan. Dawn of Dreams se recentre surtout sur l'action. Et cette fois-ci, on combat par équipe de 3, avec possibilité de passer d'un perso à l'autre en pleine action.